Alléluia. Et le frère Alexis a dit,
il a été amené à exercer ce pardon parce qu'il y a eu des situations qui ont créé quelques frictions. Et tant qu'on marchera ensemble, on va se marcher un peu là-dessus. Mais on va comprendre qu'on va pardonner. Amen. Donc, on va répondre à quatre questions. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que la Bible appelle pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Comment nous devons pardonner? Et qu'est-ce qu'il nous faut comme capacité, comme valeur, comme élément ou comme disposition pour nous pardonner? Amen. On va répondre rapidement à quatre questions. Je vais pas être long parce que c'est un message que j'ai saisi. Donc après, je pourrai envoyer à tous les frères. Donc je vais rester vraiment dans mes une heure pile. La première question, qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi devons-nous pardonner? La deuxième. La troisième, comment devons-nous pardonner? Et la quatrième question, quelles sont les dispositions qu'il nous faut développer pour vivre une vie de pardon? Tu vas vite. Qu'est-ce que le pardon? On va définir le pardon. Qu'est-ce que la Bible appelle pardon? Quand la Bible dit pardonner là, qu'est-ce que ça signifie? Deuxièmement, pourquoi on doit pardonner? Troisièmement, comment on doit pardonner? Et qu'est-ce qu'il nous faut comme disposition pour avoir une vie de pardon? Quatrièmement. Amen. On va prier. Merci de nous expliquer, merci de nous enseigner. Merci, Père, Amadoya, que ton nom soit élevé. Oh, merci pour nos cœurs que tu nous sémences de ta parole, afin que nous puissions marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue en Jésus-Christ. Merci, Père. Oh, béni sois-tu, merci. Oh, tu nous maintiens à l'écart de ce moment que l'Esprit qui ne confesse pas ton nom. Merci de ta grâce, merci de ta présence, merci de ta vie. Merci. À toi la gloire et l'honneur, à toi la puissance et la force. Amen. Donc on va aller rapidement sur qu'est-ce que le pardon. Dans le Nouveau Testament, le mot qui a été traduit par pardonner, c'est aphile. A-P-H-I-E-M-I. Aphile. C'est le mot grec aphile. Il a sa définition. Mais ce qui est intéressant, c'est que aphile est constitué de deux parties. La première partie, c'est apo. Et la deuxième partie, c'est ine. Apo, ça veut dire séparer. Et donc, quand on met tout ça ensemble, ce qu'on comprend, c'est que le pardon signifie deux choses. Pardonner signifie deux choses. Il n'y a pas de marqueur. Ok, c'est pas grave. Pardonner, la première chose que pardonner signifie, ça veut dire séparer une personne de sa faute. Premièrement, pardonner, ça veut dire de séparer une personne de sa faute. Et deuxièmement, de briser le lien entre la personne et sa faute. Voici ce que signifie le pardon. Ça veut dire que tant que tu confonds quelqu'un avec sa faute, tu ne peux jamais lui pardonner. Donc, pour pardonner à quelqu'un, il faut le séparer de sa faute. Il faut briser la relation qui existe entre les deux. Et donc, l'enseignement va nous aider à voir comment on brise ce lien. Amen. Parce que c'est ça, c'est un aspect très important. Donc la première chose, c'est séparer de la personne de sa faute. Deuxièmement, briser le lien entre la personne et sa faute. Voici ce que signifie pardon. Donc la définition, c'est ce qu'on peut définir. Et c'est une définition qui est importante
parce qu'elle elle nous aide à voir le déroulement. Elle nous fait, permet de comprendre que le pardonner est un processus. Amen. Ça ne veut pas dire, bon, tu te dois pardon. Non, c'est un processus. C'est un processus. Amen. Maintenant, on va répondre à la question, pourquoi devons-nous pardonner? On va lire Marc 11, verset 25. Marc 11, 25. Il dit, là, 24, ok. Donc, on va terminer le 25. 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Ce passage est un commandement. Alléluia. Ce passage est un commandement. Et nous, nous sommes des enfants d'obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et on obéit au commandement. Donc, on pardonne. Donc, et quand on regarde ça, et le Seigneur dit, si tu pardonnes, alors tu seras pardonné. Donc, on pardonne premièrement par obligation. Un chrétien est obligé de ne pas pardonner. Il n'y a pas d'alternative pour un chrétien de ne pas pardonner. Amen. Donc, pourquoi on doit pardonner par obligation? Paul dit que la prédication de l'évangile, il est obligé. La ça lui est imposé. Alléluia. Amen. Donc, le pardon est imposé à l'enfant de Dieu. Frères, si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Amen. Mais le Seigneur dit que ce pardon qu'il nous a accordé, on ne peut pas l'expérimenter si on ne pardonne pas. Alléluia. Amen. Donc, c'est une obligation de pardon. C'est obligatoire. Et c'est pourquoi c'est pas la peine de tourner, tu es obligé. Si surtout en tant que serviteur de Dieu, tu es obligé. C'est une obligation qui pèse sur nous. Donc on pardonne par obligation. Deuxièmement, on pardonne par obéissance. Alléluia. Nous sommes des enfants d'obéissance. Donc on pardonne parce qu'on on doit obéir au Seigneur. Quand il dit que quand tu es debout, il ne nous fait pas une suggestion. C'est un commandement. Donc, on est obligé de pardonner. Alléluia. Amen. C'est une obligation qui peut être sur nous et auquel on ne peut pas déroger. Donc, on doit y aller. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, pourquoi on pardonne? On pardonne par reconnaissance. Quelqu'un qui ne pardonne pas, ça veut dire qu'il n'est pas reconnaissant. Amen. On pardonne par reconnaissance. Et on a l'histoire du serviteur ingrat. On ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas lire dans Matthieu 18, dans Matthieu 18, verset 23 à 25, on a l'histoire du serviteur ingrat. À qui le maître a pardonné et qui a refusé de pardonner à son frère. Et le maître l'a repris. Alléluia. Mais une chose en fait que ce serviteur n'a pas compris, il n'a pas compris ce qu'est la reconnaissance. Le mot qui est traduit par reconnaissance dans la Bible, c'est Eucharistie. Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire reconnaissance. Ce qui est intéressant, c'est le sens de ce mot. Ce mot signifie être attentif aux faveurs. Être attentif aux faveurs. Ça veut dire se laisser enseigner par les faveurs. Se laisser enseigner par les faveurs. Quand tu as une faveur, tu dois comprendre que ça te sert. Donc le serviteur, il ne s'est pas laissé enseigner par la faveur qu'il a reçue du maître. Alléluia. Lui, pour lui, il comprend qu'il doit reconnaître ça, mais c'est au maître là
C'est le mec qui lui a pardonné là. Le jour où il a envie d'acheter une voiture, lui, il est là. Il va dire cadeau, il n'y a pas de commission. J'ai tout ta voiture. Amen. Amen. Mais il n'a pas compris que la faveur qui lui était accordée l'obligeait à accorder la même faveur aux autres. Alléluia. Amen. Donc on pardonne par reconnaissance. Et Paul nous encourage dans Colossiens 3. Il dit soyez reconnaissants. Donc un chrétien qui ne vit pas une vie de pardon, il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et la reconnaissance ne signifie pas de faire à la personne qui nous a fait du bien ce qu'elle nous a fait. Ça veut dire se laisser enseigner par le bien qui nous a été fait et d'être prêt à le reproduire. À notre Amen. C'est ça la reconnaissance. De telle sorte que nous qui avons vécu chez les tuteurs, car aujourd'hui on accueille des frères et sœurs à la maison, c'est la reconnaissance de ce que ce n'est pas, ce n'est qu'on ne va pas aller chercher les enfants de l'autre tuteur à pour dire, ils n'en ont pas besoin. Alléluia. Donc, on pardonne par reconnaissance. La dernière raison pour laquelle on pardonne par l'espérance. Frère, celui qui ne pardonne pas signifie qu'il n'a pas l'espérance de la gloire. Parce que l'espérance de la gloire était compatible avec la recul. Alléluia. Amen. On pardonne parce qu'on veut s'asseoir sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. On pardonne parce qu'on a l'espérance de la gloire. Et cette espérance de la gloire est incompatible avec les rancœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous pardonnons par espérance. Donc un chrétien qui ne vit pas une vie de pardon, il montre qu'il n'a pas l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on doit cultiver notre espérance. On doit alimenter notre espérance. On doit nourrir notre espérance. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu as certains objectifs dans la vie, il y a des petites choses que tu ne considères pas. Ça. Alléluia. Amen. Tu es fixé vers le but. Tu es fixé sur le but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous pardonnons pour quatre raisons. Par obligation, par obéissance, par reconnaissance et par espérance. Amen. Amen. Donc on va maintenant répondre à la question comment pardonner? Parce que c'est ça qui est le nœud. Tu dis on n'a qu'à pardonner. Mais comment concrètement? Alléluia. On va lire Éphésiens. Éphésiens 4. Comment pardonner? Ok, Éphésiens 4, 32. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Il dit que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ça veut dire que ce qu'il nous dit ici, il dit d'adopter la même démarche que Dieu a adoptée pour nous pardonner. Il dit, c'est ce qu'il nous dit. Il dit d'imiter le Père dans sa démarche de pardon et de faire comme ça. Il dit de pardonner comme on a été pardonné. Alléluia. Amen. Donc maintenant la question c'est comment Dieu pardonne. Quel est le plus, comment Dieu travaille dans le pardon. Parce qu'on va, on doit faire comme il a fait, comme il fait, comme Dieu parle. Alléluia. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre, on va lire Éphésiens. On va lire Éphésiens. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 11. Alors, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Éphésiens 1, 11. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui
faire. Oui. Toutes choses. Oui. Le conseil de sa volonté. Alléluia. La Bible dit que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas pris d'intervention extérieure pour agir. Tout ce que Dieu fait, il le fait sur la base de sa volonté. C'est une décision que Dieu prend. Donc c'est une décision que Dieu a prise pour nous pardonner. Les anges, ce ne sont pas les anges qui sont venus plaider. Non, vous dites non. Mais les anges, non. Il dit que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ça veut dire que Dieu nous a pardonné selon le travail du conseil de sa volonté. C'est une décision. Donc, comment on pardonne? Premièrement, par l'exercice de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand tu es fâché avec un frère, tu n'as pas besoin de l'intervention des autres pour lui parler. Amen.